Pour l'instant, j'ai dit que les Maliens avaient commencé à pénétrer dans la ville pour la contrôler. Donc pour moi, ce n'était pas quelque chose qui est encore réalisé. On a avancé très rapidement. Ça n'a pas été une opération où on a fouillé, ratissé méthodiquement le terrain. Donc on peut très bien encore avoir des groupes terroristes qui sont sur nos arrières ou sur nos côtés. Sur la zone de Gao, j'ai effectivement dit que l'action initiale a été conduite par les forces spéciales françaises seules. Et donc, ce sont effectivement elles qui ont engagé les éléments ennemis qui étaient sur zone, entraînant la destruction de deux pick-up et la neutralisation d'une quinzaine de terroristes. Depuis le milieu de la journée, les unités maliennes ont commencé à reprendre le contrôle de la localité. Et d'après les informations que j'ai, ça ne pose pas de problème pour l'instant. Ça, c'est la vérification des chargeurs.